Revolutionary. Who don't have no help? And not take no bribe from no one to fight it single handed with music. Don't give up the fight. I say, get up. Stand up. Get up. Debout. Alors, Elona, comment ça va? Bah, moi, ça va. Comme... Oui. Alors, tu sais quand même que l'anecdote là, du jour, c'est que je ne savais pas qu'on était passé en heure d'hiver. Ah oui. Donc, effectivement, d'accord. Je me pointe à un rendez-vous aujourd'hui et on me dit, mais vous avez une heure d'avance. Et je dis, mais comment ça se fait? On est passé en heure d'hiver ce week-end. Mais voilà, je ne savais pas. Donc, voilà, comme je ne savais pas que c'était les vacances de la Toussaint, moi, je suis déconnectée totalement, mais seulement, je suis là tous les mardis. Donc, pour présenter Dubout, je suis ravie de vous retrouver avec nos invités que je vais vous présenter. Ce soir, une émission importante
avec donc des invités que vous connaissez, mais que je vous présenterai tout au long de l'émission. On va parler de l'état de la diaspora africaine. C'est un sujet important. Beaucoup de gens s'interrogent sur cet état qui est censé nous représenter un peu partout dans le monde. Donc, on va en parler avec des personnes qui connaissent bien le sujet. Et puis, comme toujours, pour avoir des moments de respiration, pour avoir comme ça des moments de autres, on aura des artistes qui vont nous parler de leur travail, qui vont nous parler de leur parcours, notamment une jeune réalisatrice qui nous prépare un journal Bridget Jones façon 19e arrondissement de Paris. Donc, elle va nous en parler tout à l'heure. Et on a également donc, un grand chorégraphe qui va nous parler de son travail. Nous sommes vraiment ravis de recevoir Hubert Petitfar qui va nous parler de son travail, de son, du mois créole et de, du spectacle qu'il va donner très bientôt le 7 novembre au centre, j'ai oublié l'adresse, mais je la retrouverai tout à l'heure. C'est dans le 13e, je retrouverai l'adresse tout à l'heure et je vous la donnerai. C'est le conservatoire du 13e ? C'est le conservatoire du 13e. Donc, voilà un peu tout ça. Alors, on lance un peu de musique et on revient au studio et je vous présente nos invités dans le détail. À tout de suite. Bobby Production. Ces révélations explosives d'Éric Godard, auditionné à la commission chlordécone, l'ancien fonctionnaire de l'ARS a révélé que la pollution à la chlordécone de nos eaux était bien connue des autorités. Elles auraient laissé la population boire de l'eau polluée en toute connaissance. Putain, j'ai vu l'eau de madame, là où les cancers pleuvent comme des walpa. Et tous les jours, je bois du chlordécone. Mange du chlordécone, bon, dans ma malita. Et la banane n'est pas comme ma panade. Juste la peau te rend malade. Et le contaminé coule dans les tuyaux et le peuple subit les ravages. Scandale petit, oh no, oh, le gomito, boum boum, complot politique détourne la monnaie, fond de la monnaie. C'est pas nous, tu pour la monnaie. Les sentiments la rage, empoisonnés de la plus jeune âge. Notre avenir en famille en cage. Génération prise en otage. Faisons preuve d'un peu de franchise. Premier dans la bêtise. Depuis ces poulies pour une bonne action. Tout le monde reste à la maison. On a colorié nos chaînes. Wow, c'est joli, vivement un peu de débris pour que l'État me prenne. Jusqu'où ira le go-go-com, ça me fait de la peine. Maudit celui qui condamne ses frères lorsque l'argent s'amène. Lorsque l'argent s'amène. Putain, j'ai vu l'eau de madame. Là où les cancers pleuvent comme des walpas. Et tous les jours, je bois du chlordécone. Mange du chlordécone, bon, dans ma malita. Et la banane n'est pas comme ma panane. Juste la peau te rend malade. Et l'eau contaminée coule dans les tuyaux. Et le peuple subit les ravages. Et l'eau contaminée coule dans les tuyaux. Et le peuple subit les ravages. Ma prostate me gêne. J'ai mal à la vessie, ça coule dans nos veines. Ces chiens nous ont menti. Combien parmi nous j'ai appris, pardonne-nous toute la carrière. Bounty, les infos de WhatsApp sont plus vraies que celles de la TV. Nous t'ai dit, nous la baisse des prix. Quand je fais accord, vous ça fait mal. Inégalité dans le pays. Physique a fait de sa normal. Quand je veux aussi son jet ski. Obligé, il doit faire du sale. Pourquoi nos jeunes veulent tous partir? Diplôme pour finir McDonald's. Puis j'ai vu l'eau de madame. Là où les cancers pleuvent comme des walpas. Et tous les jours, je bois du cordicone. Mange du cordicone, bon, t'es pas malita. Et la banane n'est pas comme ma banane. On a mis son fils là pour te rendre malade. Et le cotamine coule dans les tuyaux et le peuple. Et dans les nuages. Comment on peut faire? Sois enculé, mais on est là, puis on aime ça. Mobilisation, c'est bien, offre. Ça fait cette bonne année. On a l'habitude. Chantier, arrête. Préparation. On est trappé en RS à Claude Econom. Annonce à l'heure, bah ça, messieurs, frère. Réparer le préjudice, ma frère, physique et morale, frère. Ça, c'est des questions d'insécurité, ça, c'est des questions de voyous. Ça est inadmissible. Combien de femmes nous avons dans ce clip-là, femmes qui n'ont pas ni stream, femmes qui n'ont pas ni cacao. Et nous savons bien que fréquentation, Bobby, ce n'est pas, pas bon fréquentation. Combien de fois nous avons dans et bacanal, kawaii ni caca, grâce à Zone Lambi, encore nous savons très bien comme monsieur, c'est poulet avant l'ambia. Non, non. Non, là, j'ai dit à monsieur le maire que ça va être violent aussi de ma part. Et d'ailleurs, ça s'est fait alors que je travaillais et du matin. Ça s'est fait la nuit parce qu'ils savent très bien que j'aurais été là, j'aurais pété ça, j'aurais pété ça. Et toutes ces femmes-là, là, c'est se foutre de ma gueule.
pas oublier que il faut en partager. Quand vous mettez un maximum de pouces bleus, mon cas des autres, ça va mal finir s'ils ne partagent pas sur tous les réseaux sociaux. Là, et ça va mal oui. finir. Ça alors, va mal finir. Alors, Dougout, ça va bien commencer et qu'on va parler. Dis-nous. On va parler. Oui, on va parler donc de l'état de la diaspora africaine. D'ailleurs, voilà. Ça a commencé là, en savoir qui est député, qui ne l'est plus, qui ne l'est pas, qui a décidé de l'être, qui a commencé à l'être et qui ne l'est plus. Donc, on va parler de tout cela. Oui, oui mais Rastotte. Mais déjà, il faut qu'on comprenne bien les gens qui sont nommés là. On ne sait pas qui est-ce qui les a nommés. Donc déjà, il va falloir que nous-mêmes on décide qui est-ce qui nous représente. Bon, ben c'est la question effectivement que nous allons, dont nous allons parler là ce soir avec nos invités, donc que je vais vous présenter de suite. Donc Hamzat Boukhari Abara qui nous fait toujours l'amitié de répondre à notre invitation. Merci beaucoup Hamzat, historien, membre de la Ligue panafricaine Umoja. Donc qui sera là. Il y a également Mireille Fanon Mendes France qu'on ne présente plus également, qui nous fait toujours l'amitié de répondre présente également à notre invitation. Bonsoir Mireille, présidente de la Fondation France Fanon, juriste, qui est là également. Nous avons également donc Dreyfus Louyebo, militant associatif, auteur d'ouvrages, qui connaît bien le sujet, qui va également donc mener cette discussion avec nous. Et puis nous avons nos artistes qui pourront intervenir. La parole est libre, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir si vous le souhaitez. Bonsoir. Donc Hubert Petitfar, qui est chorégraphe, qui nous vient de Guadeloupe, qui est là pour présenter son spectacle Au bout du souffle, donc qui sera au Conservatoire de Paris dans le 13e. Le 7 novembre. Conservatoire du 13e arrondissement dans de conservatoire Paris. Conservatoire du 13e arrondissement de Paris. Je vais y arriver. Et donc, il y a également Amy Lincia, donc, qui est une jeune réalisatrice, qui va nous parler également de son travail, et notamment de son film. Alors, il faut que je... Alors, SOS, 30 ans, t'as toujours pas pécho. Tu vas nous parler. C'est tout un programme. Bonsoir, oui, c'est ça. C'est hein? Plutôt léger. Donc, on va parler également de ce film. SOS 30 ans, t'as toujours pas pécho. Donc, voilà. Donc, c'est le film, la web-série dont va nous parler tout à l'heure Amy. Alors, ma première question va s'adresser à vous qui connaissez bien le sujet de l'état de la diaspora africaine. Comment survient cette idée de créer un état de la diaspora africaine ? Qui veut commencer ? Mireille, le micro. Non, je veux bien commencer parce que je suis cette affaire depuis 2017 à peu près. Et il y a plus d'un an, en tant que fondation, on a envoyé une lettre à l'Union africaine, à la présidence de l'Union africaine, qui à l'époque était Kagame, pour dénoncer cette diaspora, l'état de la diaspora. Bon, on n'a pas eu de réponse. Bon, la fondation n'est pas la seule. Il y a eu énormément d'organisations américaines. Il y a eu aussi nord-américaines, pardon. Il y a eu aussi quelques Européens, caribéennes, pas beaucoup, mais européennes aussi. Bon, enfin. Donc il y a plus d'un an, on apprend que nous sommes devenus les citoyens d'un État de la diaspora et que notre Premier ministre est Louis Georgetin avec un certain nombre de ministres que nous ne connaissons pas. Quand on regarde, effectivement, c'est des gens qui ne sont pas vraiment connus, à part un ancien ministre qui est le ministre des Affaires étrangères et qui était lui-même ministre des Affaires étrangères du Mali il y a quelques années. Oui, le premier ministre du Mali. Du premier ministre du Mali, voilà, ouais. C'est ça. Et donc... Modibo Diarra. Voilà, c'est ça. Et donc, on apprend ça. Et quand on regarde la façon dont ça s'est fait, donc ça remonte au dernier sommet de l'Union africaine à Nouakchott en 2018, juillet 2018, où Louis Georgetin était certainement après une forme d'assez important chantage avec la Mauritanie sur la place de l'esclavage,
sur les conséquences ou l'existence de l'esclavage, donc parce que j'étais un peu informée de la façon dont il est allé là-bas. Oui, parce qu'il faut expliquer quand même aux auditeurs que la Mauritanie est l'un des pays qui continue à pratiquer l'esclavage en Afrique, de façon ouverte. Oui. Il y a des rapports de l'ONU. Il y a tout un tas de rapports. Et puis la personne qui, le militant que l'on connaît un peu, qui Biram, qui effectivement milite contre l'esclavage en Mauritanie, dans le même temps où se créait cet État, enfin où était présenté cet État de la diaspora africaine, était mis en prison dans ce même. En juillet 2018, quelques temps après, il était rentré en prison, il est sorti plus tard. En tout cas, fort de ce sommet de l'Union africaine, Louis Georgetin, par un tour de passe-passe autour justement de l'esclavage en Mauritanie, se fait adouber par le président sortant de l'Union africaine qui était Aziz, le président de la Mauritanie, et se fait présenter à Ibeka, président du Mali, à Issoufou, président du Niger, pour présenter son projet de la diaspora africaine. Il utilise cette opportunité pour dire que comme la sixième région de la diaspora n'a toujours pas été créée par l'Union africaine alors que ça a été voté en 2003 et que c'était déjà dans les tuyaux depuis 1998, il prend cette opportunité pour faire en définitive ce que l'Union africaine ne faisait pas. Donc il vient pallier un vide. En même temps, on peut pas oublier qu'au moment où il fait cela, il le fait dans le cadre aussi de la décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine. Ce qui n'est pas innocent, c'est que depuis, donc on est 1er janvier 2015, c'est le lancement de la décennie. Oui. Juillet 2018, cette décennie est un espace complètement vide où tout compte fait, les gens font un peu ce qu'ils veulent, puisqu'il suffit de mettre sur le site de l'ONU, sur la décennie internationale, on met ses activités, on met le logo de l'ONU, de la décennie, et hop, ça fait plaisir à l'ONU qui considère que les gens font quelque chose. Mmh. Et je pense que aussi, Louis Georgetin, qui n'est pas quelqu'un d'idiot, a utilisé cet espace vide et a dit, ben voilà, moi, je vais faire d'une pierre deux coups. Les États africains ne tiennent pas compte de cette décennie, s'en fichent un peu, ce qui est un peu vrai, d'ailleurs. Le groupe africain suit mollement quand même et soutient mollement, et selon des rapports de force qui les arrangent ou pas, soutient mollement la décennie, ce qui pose de gros problèmes pour cette décennie. Mais la communauté internationale est dans la même situation. Absolument. Donc, Louis Georgetin a occupé un espace vide au prétexte que, de toute façon, la sixième région n'a pas été réalisée concrètement. Donc, il utilise cet moment-là pour faire cet état de la diaspora africaine. Historiquement, c'est un peu ça. Excusez-moi, mais quelle est la sixième région? La sixième région, c'est la diaspora. L'Afrique a décidé. L'Union africaine. L'Union africaine a décidé que la diaspora africaine était. Récente et plus ancienne. Oui, récente et plus ancienne. Faisait partie de l'Afrique. Et qu'il ne fallait pas, il fallait continuer à ce qu'il y ait une articulation entre la diaspora et le continent africain. Et ça pose d'ailleurs, votre question est intéressante parce que ça pose la question aussi de la place des afro-descendants. Absolument. Parce que est-ce que les afro-descendants sont partie de cette diaspora africaine? Alors, pour l'Union africaine, c'était peut-être pas si clair au début, mais à l'heure actuelle, c'est assez clair que les afro-descendants font aujourd'hui complètement partie de cette diaspora. Donc, Louis Georgetin joue sur ce tableau. Il y a un espace vide. En tant que Martiniquais. Il y a un espace vide. Il est Martiniquais. Il n'est pas idiot. Il a des entrées certainement au plus haut niveau de l'État français. Mmh. Et donc, il s'est servi de ça parce que dans les journaux qui relataient il y a autre chose que j'ai oublié. L'intronisation, disons, de cet État de la diaspora, il précisait. J'ai oublié aussi de préciser, mais aussi il y a quelque chose qu'il a fait et qui est politiquement et symboliquement assez malin de sa part, mais très dangereux.
tout compte fait, il, pour être sûr que son projet prenne est un appui stratégique important, il n'a pas été trop voir l'Union africaine, qui était au courant du projet, mais qui n'a pas trop bougé. En revanche, il est allé voir un chef traditionnel africain, du Bénin, je crois. Oui, ou Côte d'Ivoire. Dont on reparlera tout dont on reparlera, oui, mais c'est oui, ça qu'il oui, faut dire. Oui. Parce qu'il s'est fait appuyer oui. par le groupe des chefs traditionnels. Et sur les... Et sur, non, mais c'est, stratégiquement, c'est assez malin. Et sur les rapports de la presse de cette époque, donc il y a un peu plus d'un an, il est, on le voit, à demi nu, intronisé ouais. avec le bâton, etc. Donc, quelque part, il s'est aussi assuré du soutien des chefs traditionnels. Maintenant, l'Union africaine... Bon, là, moi, je termine. Je rentre de Dakar, où j'ai rencontré le vice-président de l'Union africaine, où j'ai discuté sérieusement avec lui de ça. Et il a précisé qu'ils avaient... Et il y avait aussi la personne en charge de la diaspora au niveau de l'Union africaine. Et ils reconnaissent qu'ils ont été négligents, peu regardants, mais que de toute façon, cela n'aurait pas plus d'impact que cela ne doit en avoir. Cela reste à voir, je m'arrête. Alors, Hamzat, cet État, effectivement, donc maintenant, il commence, enfin, on en commence à en parler. Ça fait un an maintenant qu'effectivement qu'il a été lancé, on commence à en parler. Il y a eu des actions, il y a un programme qui est mis en place. Quelle est la légalité de cet État? Comment expliquer effectivement aux gens que cet État est légal ou pas, au vu de du point de vue international? Est-ce qu'il y a une légalité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui compte? Ben non, légalement, enfin, il n'y a pas de légalité. Je pense que la manière dont il n'y a pas de légitimité. Je pense qu'il suffit pas d'aller sur France 24 ou TV5 Monde pour raconter des sornettes pour que ça marche, même si visiblement ça marche. Ben oui. Donc, il faut aussi s'interroger sur les soutiens, les appuis Absolument. Médiatiques. Je vois par exemple le site Géoconfluence de l'École normale supérieure de Lyon qui reprend cette information. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des facilités pour faire tout et n'importe quoi au nom de la diaspora et qu'il n'y a pas du tout de légalité ni de légitimité à ce type de mesures. Alors il y a une légitimité qui a été tentée d'être trouvée vis-à-vis justement donc du roi traditionnel ivoirien, mais on voit bien d'après les éléments qu'il a été également victime d'une forme d'usurpation de la part de Louis Georges Tin. Donc il y a des éléments qui montrent qu'il s'en est désolidarisé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de légalité. Il y a néanmoins un certain nombre d'appuis qui sont peut-être liés au fait que certaines personnes dans ce gouvernement ou dans ce Parlement ont leurs propres projets, leurs propres agendas, sont relativement peut-être fortunées, ont des appuis beaucoup plus importants derrière. Je ne pense pas que ce soit le plus problématique. Je pense qu'il y a pas mal de personnes tapies dans l'ombre parce que c'est quand même un vaste projet financier. Qui n'a rien à voir avec ce que, par exemple, l'UNIA avait pu tenter de faire à l'époque. C'est important de savoir que, par exemple, dans les années 20, l'UNIA de Marcus Garvey avait réussi à avoir un statut d'observateur à la Société des Nations. Mais alors en s'appuyant sur quoi, justement? Comment est-ce qu'il se crée? Parce que là, effectivement, on est en train de parler de cet État en dénonçant un peu la façon dont il a été mis en place. L'UNIA était une organisation de masse populaire qui s'appuyait vraiment sur des réalités, qui avait des représentants, des chapelles, une architecture, une organisation, une économie. C'était vraiment une création qui avait un sens et qui contestait justement les pouvoirs coloniaux, à tel point qu'il était plus pertinent finalement pour les Britanniques au niveau de la Jamaïque de donner à l'UNIA un statut d'observateur. Mais dans ce cas précis, on a quand même une démarche qui est faite, je dirais, dans une certaine forme de discrétion, qui bénéficie probablement de l'appui de l'État français. Il ne faut pas se cacher, je pense que Macron est très clairement derrière. Mais qui n'a pas de légalité ni de légitimité à nos yeux et aux yeux de ce qu'ils font de droit international, tout simplement. C'est contre l'article 3Q de la Constitution de l'Union africaine. C'est absolument contre cet article. Alors, on n'a pas. Est-ce que pour le public qui le suit. Oui, c'est très bien. Quelle est la différence pour moi entre. Mireille
Non. État. L'État de la diaspora africaine. Et l'Union. Et l'Union africaine. Est-ce que c'est... Alors, l'Union africaine, c'est une Mireille qui est dans les institutions internationales. Écoutez, en fait, l'Union africaine, c'est l'ensemble des États du continent africain qui se sont réunis dans un forum, dans une institution continentale, comme l'Union européenne. Voilà, il se pose la question de toutes les populations de la diaspora ou les États issus de ces diasporas qui ne font pas partie de l'Union africaine. Et donc, c'était l'idée de la sixième région, de comment aborder en fait toutes ces populations qui sont à l'extérieur du continent africain et les rattacher institutionnellement à l'Afrique. Donc, on a créé à partir des divisions continentales une sixième région. Et c'est cette sixième région qui a fait l'objet de la part d'une poignée d'individus, peut-être plus nombreux qu'on ne le croit, d'une tentative de création d'un État dit transnational, multinational, sans frontières, virtualisé, etc., qui inclurait l'intégralité des 350 ou 400 millions d'Africains de la diaspora. Voilà. C'est un acte colonial, coup d'État. Alors, on a avec nous donc Dreyfus. Dreyfus, tu es militant. Cet État, tu le combats aussi depuis le début. Dans ton coin, un peu tout seul, de tes petits bras, tu as décidé quand même de mettre au jour un peu l'imposture de cet État de la diaspora africaine. Il y a un personnage quand même qui est très ambivalent, voire ambigu, qui est ce roi dont on parle depuis tout à l'heure, qui est le roi Jean-Gervais Tshifhinzié, qui est le secrétaire général du Forum des rois d'Afrique, hein, qui a permis effectivement la création de cet État de la diaspora. Est-ce que tu peux nous dire qui est ce roi d'Afrique ? Alors, d'abord, effectivement, il faut rappeler que la sixième région est un projet extrêmement important pour les Afro-descendants, pour les Africains, pour l'Afrique, pour l'Union africaine. En bref, c'est un projet important qui va dans le sens de l'avenir des Afro-descendants. Et c'est vrai qu'il est question aujourd'hui de voir comment faire en sorte que ensemble nous puissions trouver des solutions de façon à organiser, à structurer cette sixième région. C'est un projet qui date de plusieurs années et qui projet sur lequel des personnes travaillent actuellement. Oui, mais on a l'impression qu'on n'avance pas. Enfin, on a l'impression qu'on a. C'est une impression. Non, d'accord. C'est une impression. Voilà, bon. C'est justement ce que vous disiez. Ouais. C'est une impression. Et alors que d'autres personnes sont actuellement en train de travailler sur cette idée de sixième région. Ouais. Il y a également d'autres personnes. Heureusement, ça montre qu'il y a un intérêt global pour cette sixième région, pour cette structuration de la sixième région. Et bien, d'autres en ont profité pour tenter de créer une espèce d'État, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État de la diaspora africaine, qui en réalité n'en est pas un. Mais ce qui est grave dans l'affaire, parce que chacun peut être libre de mettre en place telle ou telle initiative. Absolument. C'est pas ça le plus important. Ce qui est dangereux dans le cadre de cette affaire, c'est de faire croire à l'ensemble de la diaspora africaine que c'est un projet qui a été validé par l'Union africaine, de faire croire que c'est un projet qui a été officialisé lors d'un sommet de l'Union africaine, et de faire croire que certaines personnes ont été mandatées par un président de la République ou par l'Union africaine dans le cadre de la structuration de ce projet. Ça, il n'en est rien sur tous les tableaux. Sur tous les tableaux, il n'en est rien puisqu'il n'y a jamais eu d'officialisation de cet État de la diaspora africaine au niveau de l'Union africaine. D'accord. Il n'y a jamais eu de mandat de l'Union africaine et il n'y a jamais eu de mandat du président mauritanien. Pourtant, lors de l'interview de mandat. Mais pourtant, lors de cette interview que l'on peut retrouver sur Internet, l'interview qu'il a donnée à France 24 il n'y a pas très longtemps, il dit bien « je suis mandaté par l'Union africaine ». Eh bien, écoutez, quand une personne dit les choses, il y a un moment donné, le rôle des journalistes est également de demander des preuves. Donc, moi, je dis qu'effectivement, ce monsieur n'a jamais été mandaté par qui que ce soit, d'accord ? En tout cas, pas par le chef d'État mauritanien, pas par les chefs d'État africains et pas par l'Union africaine. Donc, s'il dit le contraire,
eh ben, qu'il nous fasse voir son mandat. Alors, il y a une photo simple. Aussi qui a circulé lors du lancement de l'état de l'Union, de cet état de la diaspora africaine, où on le voit entouré donc du président du Niger, du président du Sénégal, du président de Mauritanie, et il était présenté au président français, enfin, il semblait être présenté à Emmanuel Macron, au président français. Donc, cette photo, en tout cas, était perçue comme l'officialisation et la mise en, et le mandat, en fait, qui lui était donné de créer cet état de la diaspora africaine. Eh bien, madame, c'est bien le problème, ou plutôt, je ne sais pas si on peut parler de problème, mais en réalité, aujourd'hui, tout le monde peut faire des photos avec un des selfie. Chefs d'État, faire un selfie. Oui, mais en même temps, moi, je ne peux pas faire une photo avec Emmanuel Macron et dire que je suis première ministre de quoi. Il y en a plein qui le rencontrent dans la rue, s'il suffit de participer à un meeting. Il suffit de traverser la rue. Voir. Voilà, comme disait l'autre, il suffit de traverser la rue pour faire un selfie, pour le rencontrer et dire qu'il vous a confié un ministère, qu'il a été mandataire, etc. Mmh. Mais après, quand vous le dites, l'important, c'est de pouvoir assumer les conséquences de vos propos. D'accord ? Parce que pour une personne comme M. Tain, qui a été président du CRAN, le conseil représentatif de l'association Noire, qui a un certain nombre de soutiens, puisqu'il y a des personnes qui le suivent, n'oublions pas que nous travaillons d'abord pour la diaspora africaine, mais aussi pour la jeune génération qui arrive et qui suit ce que les uns et les autres font. Donc, lorsque l'on ment sur un tel projet, ô combien important pour les afrodescendants, pour l'Afrique, pour les membres de la diaspora africaine et pour sa jeunesse, c'est quelque chose de dangereux parce qu'on ment en réalité à l'avenir et on part sur des bases complètement fausses et erronées. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi mentir ? Quel est le but caché derrière ? Quel est l'intérêt de cette supercherie ? Absolument. Quels sont les objectifs poursuivis ? Alors, les intérêts, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que là, on a envie de se dire qui finance tout ça ? Parce que là, effectivement, il y a quand même des actions qui sont menées. Le 24 octobre était lancé, donc, officiellement, cet état de la diaspora ici à Paris, avec des actions qui étaient proposées. Il y a un certain nombre de ministres qui font partie de cette diaspora. Ils sont une vingtaine. Il y a des personnalités connues, comme justement Cheikh Modibo Diarra, dont on a parlé, mais également Wycliffe Jean, que l'on connaît comme chanteur, musicien, ancien leader du groupe Fugees et autres. Et la jeune femme, oui, et cette jeune femme, alors attends, et donc ça, ce sont les plus connus, mais il y a également les moins connus, comme cette dame Vanessa Munga, Vanessa Munga, qui fait partie du conseil présidentiel pour l'Afrique du président Macron. Donc, toutes ces personnalités, une vingtaine au total, sont au sein de ce gouvernement. Nous ne les connaissons pas. Ils ne se sont jamais présentés à nous pour dire qui je suis, ce que je vous propose, etc. Est-ce que les uns et les autres pouvaient nous dire qui sont ces personnes et comment est-ce qu'on a réussi à persuader ces personnes à rallier ce projet ? Hamza, quelqu'un comme Vanessa Munga, par exemple, qui fait partie du conseil présidentiel pour l'Afrique, est-ce que là, on peut y voir justement la mainmise de la France sur ce projet ? Ben écoutez, il y a des personnes qui aiment bien se donner des titres, des fonctions, dans des organigrammes, dans des choses clinquantes, pimpantes, qui sont faciles à acheter à ce niveau-là, tout simplement. Donc, maintenant, c'est... Moi, j'ai pas d'éléments précis sur qui finance. Je pense qu'il y a quand même des personnes d'une certaine classe sociale qui sont dans cette structure ou qui représentent un certain type d'organisation, qui ont un certain type d'agenda. Donc, je pense qu'il y a sans doute des moyens derrière, évidemment. Je peux vous faire la confidence qu'il y a même des secrétaires d'État de ce gouvernement qui ont contacté des proches pour leur demander « dis-moi quoi faire », etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens incompétents, des gens qu'on n'a jamais vus vraiment militer sur nos questions, qui se retrouvent là, qui ne savent pas quoi faire et qui vont contacter des militants un peu plus actifs pour savoir quoi faire. Donc, c'est ça qui est terrible. C'est le fait vraiment de trouver des personnes qui veulent rentrer dans ce système. Et on en trouve énormément, parce qu'on a énormément. Et ça aussi, ça nous amène à vraiment nous poser la question de l'idéologie qui est derrière tout cela.
Maintenant, mais ce que je trouve aussi, ce que je trouve grave, oui. Moi, ce qui m'a un peu rendu perplexe, y compris notamment dans les députés, des personnes comme, je vais citer les noms parce que je l'ai sollicité, quelqu'un comme Jean-Jacques Bissette que j'ai sollicité, il n'a pas pu, il m'a pas répondu, je lui ai demandé d'intervenir par téléphone, il est en Guadeloupe, mais il n'a pas voulu. J'ai entendu parler de Jean-Jacques Bissette, donc Jean-Jacques Bissette qui est quand même un député européen, un ancien député européen qui nous a fait honneur lorsqu'il était au Parlement européen avec des conférences sur l'afrophobie, etc. Donc, il a quand même fait un travail. Donc, j'apprends que Jean-Jacques Bissette fait partie des députés. Des gens comme j'ai oublié son prénom, Salah Moulins, également feraient partie de voilà. Donc, à un moment donné, ça pose quand même la question de comment est-ce qu'on arrive à convaincre des personnes que l'on pense intéressant, mais qui a à un moment donné, comment est-ce qu'on les... Je ne suis pas sûre que ce soit une question vraiment essentielle. Bon, les gens sont ce qu'ils sont, ils ont besoin un peu de visibilité. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même très intéressant à questionner et peut-être à fouiller beaucoup plus, et ça pourrait faire l'objet d'une recherche, c'est que quand on regarde un peu, c'est un lien que... Oui, que vous mettez... Que Hamza a récupéré. Et que l'on trouve dans votre communiqué, dans la déclaration. Oui, quand on regarde le contenu de ce lien, d'abord, la première personne qu'on voit, donc le lien, c'est Graaléo, Graal, comme un Graal, comme la quête du Graal. Ouais. Alors, c'est Graaleo.io. Oui. Et on regarde, donc c'est une chaîne, il y a American Express qui vient, et puis en fait, il y a quelque chose, parce qu'il va récupérer de l'argent pour faire fonctionner son gouvernement. Et là, on voit, le crowdfunding va commencer dans combien de temps, on nous dit pas encore, mais c'est déjà, on a l'Afrique en vert, et ensuite, la première personne qui arrive, avant Louis-Georges Jetin, puisque la seconde, c'est Louis-Georges Jetin, la première, c'est Steve Jobs. Qui dit les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Donc voilà, seconde personne qu'on voit avec State of the African Diaspora, et on a le gouvernement et dessous on a le premier ministre, on a l'entière, on a Johannes, Louis, etc. On a tout le gouvernement qui apparaît. Mais la chose la plus importante, et c'est vraiment qui nous questionne, et il faudrait avoir de très bons journalistes enquêteurs pour voir un peu qui y a derrière, parce que quand on va très loin, donc on a les pierres précieuses, les métaux stratégiques, les produits agricoles, on a toutes les richesses de l'Afrique qui sont. Et on nous dit à un moment, et ça c'est quelque chose qui se trouve vers la fin, on a l'or, enfin on a tout. On a, excuse-moi, parce que vraiment je pense qu'il faut que les gens le savent, aillent voir ce site pour comprendre un peu qui est derrière. Quand on parle de soutien absolument. Et autres, il a donc des soutiens. Voilà. Mais ce ne sont pas des soutiens de Louis-Georges Jetin. Je pense qu'il faut être un peu stratège et penser autrement. Ce ne sont pas des soutiens de Louis-Georges Jetin. Ce sont des soutiens de gens, ce sont des gens qui vont le soutenir parce qu'ils pensent qu'il va leur ouvrir un marché. Et ce marché, ben c'est l'Afrique. Et ces gens-là, alors on a toute une liste de personnes qui veulent changer. On a Malcolm X, etc. Histoire, on a les drapeaux, Et à la fin, on a Macron qui est président français et de la Réunion. D'ailleurs, on se demande pourquoi il n'est que président de la Réunion. Parce qu'en termes de diaspora, Réunion, c'est l'Afrique. Oui, mais enfin, il y a quand même la Caraïbe aussi. Non, mais l'Afrique, la Caraïbe n'est pas dans les eaux africaines, africaines. Oui, mais enfin, c'est la diaspora africaine. Excuse-moi. Bon. On a tout ça. Et l'intéressant, c'est qu'en fait, ces soutiens disent qu'il se présente comme un groupe mercantile, parce que c'est un groupe de banques, c'est un groupe de grandes entreprises qui sont derrière et ils veulent récupérer les éléments financiers africains pour faire leur travail, qui est un travail mercantile et capitaliste, ils le disent carrément, il faut le regarder. Et je pense que ce que fait Louis-Georges Jetin, pense que peut-être il n'a pas pensé à ça, c'est qu'il ouvre, il a donné les clés de quelque chose à des gens qui sont en train
comme il y a une espèce de guerre au niveau africain avec la Chine, la Russie, etc., et l'Europe qui est en train, et la France particulièrement qui est en train de perdre, etc., avec les États-Unis qui ont leur 53, base, les 53 AFRICOM, il est en train de donner ça, et on a l'impression, à l'occasion de cet état de la diaspora, on a l'impression qu'il y a une redistribution des cartes africaines, des cartes du continent africain, et quelque part, on se disait ça avec Hamza avant d'entrer, c'est qu'on a l'impression qu'on revient à une forme de conférence de Berlin, où on s'est partagé le scramble pour Africa. Et c'est un peu ça, et je pense que lui, il a donné ça en pensant que c'était bien pour lui, etc. Donc il se fait soutenir par des groupes qui sont totalement dangereux et pour l'Union africaine et pour le continent africain et donc pour la 6e région. Et de ce coup, il est devenu quelqu'un qui n'est pas fréquentable pour un... Dreyfus, les financiers, les banquiers, vous connaissez, ça te parle. Qu'est-ce que tu as envie de dire de ce groupe Graaleo? Est-ce que tu en avais entendu parler? Et qu'est-ce qu'il représente effectivement pour ce projet? Alors moi, ce que j'ai dit d'abord, c'est attention à la manipulation. Parce que lorsqu'on est capable de mentir au nom de l'Union africaine, c'est-à-dire de l'institution la plus importante des États africains, on est capable de mentir pour tout. D'accord ? Ce qui veut dire que lorsqu'on est capable d'afficher le logo de l'Union africaine qui n'a jamais validé une initiative et jamais officialisé une initiative, on est capable d'afficher aussi le logo d'autres structures, les prénoms d'autres personnes, etc., etc. Donc, attention à la manipulation. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le gouvernement dont on parle ne serait qu'un gouvernement fictif? Fantoche. D'abord, on ne parle pas d'un gouvernement. C'est un État fantôme. Oui. C'est un État fictif. On est dans le cadre d'un projet qui est totalement fictif, dans la mesure où les personnes citées, pour beaucoup d'entre elles, ignore même qu'elles étaient citées dans le cadre du projet de l'État de la diaspora africaine. Mais maintenant, ces documents circulent. Alors, donc, à un moment donné, C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont demandé aux concernés de retirer leur nom de la totalité des documents. D'accord ? Il y a même des procédures, il y en a d'autres qui veulent engager un certain nombre de procédures judiciaires. Donc, tout ça, c'est en cours. C'est la raison pour laquelle j'appelle à la responsabilité des uns et des autres, et attention encore une fois à ne pas tomber dans le piège. Le piège d'aller trop vite. Par exemple, je vois, vous parliez tout à l'heure des photos avec le président du Niger, le président Macky Sall, le président Macron, etc. Moi, je fais partie de ceux qui étaient à l'Élysée, d'accord, et je peux vous dire qu'en y étant, j'ai posé la question à certaines personnes qui étaient citées dans le cadre de ce gouvernement, et je sais quelle était la réponse de ces personnes-là. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis encore une fois, attention à la manipulation. Et d'ailleurs, le roi Tifidzé, qui au départ, le chef traditionnel de Côte d'Ivoire, donc, qui au départ a validé le projet, puisque c'est lui, quelque part aussi, qui est à l'origine du titre usurpateur de M. Tin en qualité de Premier ministre, qui a mis ça et cautionné ça au départ, avant, bien évidemment, de faire marche arrière et de se rendre compte qu'il fallait partir sur quelque chose de cohérent qui va dans le sens de la cohésion. Voilà. D'accord. Donc attention à la manipulation et ne rentrons pas non plus dans... Le groupe Graaleo dont on parle, dont parlait Mireille Fanon, là, vous savez, sur Internet, aujourd'hui, on voit tout et n'importe quoi. D'accord ? En matière de communication, il y a plein de sites Internet qui peuvent se créer en 5 minutes. D'accord ? Tout ça, c'est justement pour tromper la vigilance des uns et des autres ou pour vous faire croire qu'il y a une espèce de mainmise ou des personnes assez puissantes pour soutenir tel ou tel projet. Donc, je sais de quoi je vous parle. C'est la raison pour laquelle je vous dis encore une fois, attention à la manipulation. C'est pas parce que vous voyez en première page d'un site la photo de Steve Jobs qu'il est derrière le projet ou qu'il a validé le projet. Il risque pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui sont mentionnées, qui sont citées, on fait allusion à certains groupes dans le cadre de ce projet, qui en réalité n'ont rien à y faire et ne savent même pas ce que c'est l'état de la diaspora africaine. Hubert. Que le groupe Graaleo soit instrumentalisé par Louis-Georges Tin, quand même. Alors, ça me fait souvent penser à la même chose, c'est-à-dire que dès qu'il y a des initiatives qui sont issues donc, de la diaspora, il y a toujours quelque chose qui vient entraver, et souvent, c'est par un autre
Bah là, c'est Monsieur Tain, je crois qu'il est. Alors, il est premier ministre de la diaspora africaine. Il était ancien martiniquais. Voilà. Donc voilà, on va dire encore aux Antilles, on dit nec contre nec. Voilà. Et rien n'avance. Et ensuite, ce modèle qui ressort, les gens ne vont pas aller voir le fond, mais ils vont voir ah ben ils n'arrivent pas à concevoir quoi que ce soit, qu'elle aboutir un projet. C'est malheureux. Alors maintenant, pourquoi il agit comme ça? Dans quel but? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a, on a l'impression que c'est ce que vide, oui, c'est ce que dans le micro. Il n'y a pas un espace vide. Oui. C'est tout à partir du moment où effectivement l'Union africaine. Il y avait un projet. Non, mais non. Il y avait pas. L'Union africaine n'avait pas de projet pour la sixième région. Toujours pas. Faut quand même être réaliste. Elle n'avait pas ce projet. Même si elle avait l'intention, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas formalisé. Donc, il y a en même temps, il y a deux choses qui viennent. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à la fois l'Union africaine qui n'avait pas de projet pour la diaspora, oui. Et puis il y a cette décennie internationale pour les afrodescendants, qui est aussi un espace vide. Donc, ça donne toutes les personnes qui ont envie d'exister, qui ont envie d'être s'engouffrent dans de tels vides et proposent n'importe quoi. Donc, qu'il ait proposé n'importe quoi, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. C'est un côté mégalo. Il fait un coup d'État. C'est un coup colonial qui est très dangereux parce que symboliquement, c'est très et politiquement, c'est très dangereux. Parce que la diaspora africaine mérite beaucoup mieux que cela, et les Africains, le continent africain, mérite aussi beaucoup mieux de cela que de sa diaspora. Donc ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas quelque chose qu'il aurait fait. C'est quelque chose de pensé. C'est pas la première fois que Louis-Georges Tin fait des coups, essaye de faire des coups, essaye d'exister. Donc soyons quand même réalistes et objectifs. Là, il fait un très mauvais coup, non seulement à l'Union africaine, mais aussi à la diaspora. Parce que c'est un véritable acte colonial. On a l'impression qu'on est revenu au temps des tontons Macoute, les armes en moins, et où on dit, ouais, ces gens-là m'appartiennent. Bah, excusez-moi, 500 millions de personnes, même si c'est un peu moins, peu importe, mais 500 millions de personnes qui tout d'un coup appartiennent à un ministre sorti d'on ne sait d'où, qui est absolument n'importe qui, et qui a déjà des casseroles derrière lui, qui a des casseroles au cran, il a quand même manipulé les dernières élections, disons-le. Il y a des gens qui sont capables de le dire. Il y a eu presque si les gens étaient allés un peu plus, il y aurait eu une procédure contre lui. Donc, on sait d'où parle Louis-Georges Tin. On le sait d'où il parle. Donc, ne soyons pas dupes, n'essayons pas de dire qu'il faut arranger. Non, c'est quelque chose d'important, ce n'est pas fondamental, mais c'est quelque chose d'important. Parce que ça a une conséquence extrêmement grave, c'est qu'il y a des gens, déjà la diaspora africaine n'est pas forcément unie. Oui, elle est absolument extrêmement divisée. Absolument. D'ailleurs, son initiative a donné l'idée à une personne du Gabon de se déclarer présidente de l'Union africaine et une autre de la Côte d'Ivoire, une femme de la Côte d'Ivoire a créé aussi un état de la diaspora africaine ivoirienne. Bon, donc vous voyez bien qu'au lieu, on a besoin à l'heure actuelle, si on pense, parce que lui il se prévaut aussi d'être panafricaniste, oui, mais on va parler, c'est un panafricaniste libéral et absolument dangereux. Alors que si on pense panafricanisme au sens où nos pères la pensaient, mais c'est tout sauf le libéralisme. Absolument. C'est tout. On va en parler avec Hamzat du panafricanisme. Je laisse la parole à Hamzat. Oui. Mais donc, on doit absolument dénoncer ça et ne pas le traiter quand même par-dessus la jambe. Parce que ce groupe Graléo, que ce soit une manipulation, etc., n'empêche que derrière, il est là, puisqu'il y a des gens, il y a des photos, il y a un discours, et il y a un discours sur la monnaie africaine. Il y a un discours sur la mise en, sur la volonté de mettre la main sur la monnaie africaine par quelque chose qu'ils appellent eux, qui serait l'équivalent d'un bitcoin et qu'ils appellent New Afro. Donc, on est dans un projet financier, libéral, capitaliste, alors que l'Afrique a besoin de tout autre chose que de ça. Tu voulais dire?
Oui, avant que tu ne partes, c'est avant que tu ne partes, excuse-moi Dreyfus, avant que tu ne partes, c'est vrai que je voulais quand même qu'on revienne, parce que c'est vrai que la notion de panafricanisme nous est lancée comme ça, comme une sorte de justification à la création de cet État, et pour dire, voyez, on marche sur les pas de nos pères fondateurs. Hamzat, tu as fait ce livre que tout le monde connaît maintenant, Africa Unite, le panafricanisme, ça te connaît, tu connais bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux, comment dire un peu à ces jeunes qui parfois se laissent avoir par les réseaux sociaux et ne comprennent pas tout et toutes ces subtilités, que ce n'est pas parce qu'on dit panafricanisme, qu'on dirait le général de Gaulle, que forcément on est panafricaniste. Écoutez, je crois que dans certains milieux militants, de toute façon, l'entourloupe n'est pas passée, puisqu'il y a quand même un travail qui se fait, il y a quand même des garde-fous qui sont présents. Voilà, maintenant, le problème, c'est tout simplement que quand on va sur France 24 ou TV5 Monde et qu'on raconte des bêtises sur l'Afrique, ben, ça circule et tout le monde y croit. Absolument. Le travail, c'est le problème, c'est la question des médias panafricains, des médias afro, qui doivent aussi prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont aussi un poids médiatique qui peut faire contrepoint à France 24 et TV5 Monde. C'est surtout ça le problème. Oui, mais des médias de ce type-là, on n'en a pas tant que ça. Oui, il y en a pas tant que ça, mais il en faut. Il en faut. Pour moi, c'est le plus gros souci, parce que quand quelqu'un raconte n'importe quoi, qu'on sait que les journalistes vont pas prendre la peine de vérifier, eh bien, on a beau se battre sur les réseaux sociaux, faire des communiqués, etc. Ben, nos communiqués circulent 1000 fois moins que cette vidéo virale qui est supportée par toute l'architecture médiatique france-africaine. Et voilà, en parlant justement de médias, moi, c'est vrai que j'ai repéré en tout cas Dreyfus. Et juste sur le panafricanisme, c'est bien évidemment pas du tout un projet panafricaniste, parce qu'il ne repose sur aucune vision de relèvement du continent africain par ses forces endogènes. Il s'inscrit effectivement dans une perspective totalement néolibérale. Ouais. Il ne fait que renforcer le système colonial et le système de prédation que subit l'Afrique. Il ne propose rien de concret en termes de réussite pour la diaspora. Il s'arroge également dans son programme un certain nombre de chimères. Alors la restitution des biens de l'époque coloniale s'est mise à toutes les sauces. Voilà, tout le monde s'arroge la paternité de ce projet, à tel point que on est en train de se poser un certain nombre de questions. Alors il n'est pas du tout question de la sortie du franc CFA, il est juste question de créer une nouvelle monnaie, Bitcoin, etc. Voilà. Ensuite, une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne, puis ça part quand même d'un état colonial. C'est quand même quelque chose qui part très clairement pour moi du repositionnement de la France vis-à-vis de sa diaspora, qui est relativement crédule, du repositionnement également des intérêts français en Afrique. Pour moi, il y a effectivement... Enfin, il n'y a pas de doute dessus. Dans la déclaration que vous avez rédigée, donc il y avait la Ligue panafricaine Umoja, il y avait également la Fondation France Fanon et le Front Uni de l'immigration et des quartiers populaires. Vous parlez justement, vous faites le rapprochement entre la création de cet État de la diaspora africaine et ce qui va se passer notamment en 2020 avec la saison culturelle. Oui, la saison Africa-France 2020, le sommet France-Afrique à Bordeaux, l'annonce des réformes sur le franc CFA, il y a une offensive sur la diaspora, les 400 de l'Élysée, une offensive de la diaspora parce qu'il va partir, tu vas rester C'est une offensive qui date en partie depuis le rapport Védrine, Zinsou, Severino, qui ont expliqué qu'il faut repositionner la France pour séduire la diaspora africaine à travers un certain nombre de projets, une vision libérale, l'entrepreneuriat, s'appuyer dessus pour redorer le blason de la France, mettre en place un certain nombre de mesures cosmétiques pour faire en sorte que la France revienne sur le terrain africain à travers sa diaspora. Donc, ça peut faire partie aussi de l'enfumade. C'est très important. On a bien dit enfumade, pas enfumage. Oui. Enfumade, c'est vraiment un acte de guerre pendant la conquête de l'Algérie. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on met le panafricanisme au fond d'une grotte, on allume un feu à l'entrée et la fumée est censée tuer le panafricanisme sans une goutte de sang. C'est-à-dire qu'on neutralise les militants panafricains et en même temps, on neutralise également les diasporas qui font des choses. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. On noie tout dans la fumée et on en ressort avec la délégitimité de France 24 et TV5 Monde et la crédulité de beaucoup de personnes, dont certaines ont effectivement placé de l'espoir dans ce projet qui n'en est pas un. Donc, ça nous complique le travail d'une certaine manière et effectivement et en même temps ça divise parce qu'on a l'impression de nager à contre-courant
pour expliquer que. Et puis on a autre chose à faire, c'est pas. Il y a autre chose à faire. Oui, ben oui, il continue. En tout cas, merci beaucoup Hamzat d'être passé. Merci vraiment de nous faire l'amitié de répondre à notre invitation et à très bientôt. Merci. Sur France 24, je voulais juste dire que j'ai écrit à France 24 pour demander un droit de réponse et je n'ai eu à l'heure actuelle aucune réponse. Alors Dreyfus, effectivement, donc tu boues, tu as envie de voilà. Qu'est-ce que c'est vrai que l'utilisation de des diasporas, par exemple, qu'est-ce que toi ça, tu fais partie de cette diaspora, tu es dans des milieux quand même assez bien introduits dans un peu partout dans les institutions internationales. Tu le vois toi cette espèce de récupération de la diaspora? Moi, je voulais d'abord dire que Monsieur Louis Georgetin, ce n'est pas la France, d'accord? Monsieur Louis Georgetin, ce n'est pas la France. Et encore une fois, faisons attention à ne pas tomber dans une espèce de paranoïa collective, parce que c'est justement l'objectif. D'accord ? Je connais certaines personnes au plus haut niveau, tout comme d'autres, et je peux vous dire qu'effectivement, c'est un projet qui n'a aucun sens. D'accord ? Donc, un État sérieux où des élus sérieux ne peuvent en aucun cas soutenir un projet qui n'a aucun sens et qui va à l'encontre de leur intérêt. C'est pour cette raison, encore une fois, que je dis attention à ce que l'on dit, mm-hmm. parce que derrière l'affaire, OK, il y a l'imposture évidemment qui est liée à cet état de la diaspora africaine. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait demain. Mm-hmm. Et pour revenir très rapidement, encore une fois, sur le site, la fameuse fondation Graaleo. Oui, Graaleo. Graal, G-R-A-A-L-E-O. Qui a été évoqué tout à l'heure. Oui. Là aussi, voilà, ne soyons pas dans une espèce de... Je suis désolé, mais c'est important de dire les choses, dans une espèce de paranoïa collective, parce que Graaleo... Tu sembles très prudent sur toutes ces questions. Je voudrais savoir pourquoi cette prudence. C'est pas une question de prudence, oui. C'est parce que je ne veux pas non plus que l'on aille trop vite et que l'on que finalement on ne sache pas où aller, d'accord? Graaleo, moi je suis dans les milieux financiers, mm-hmm, d'accord, mm-hmm. C'est une structure une structure qui existe comme tant d'autres, d'accord, je crois même que ça doit être une SARL, c'est pas un groupe, parce que attendez, aujourd'hui n'importe qui dans la finance peut se lever et avoir une structure au Qatar, ça se fait en 5 minutes, d'accord, c'est pas parce que vous avez un siège social au Qatar ou à Londres que vous êtes un groupe international. Faut juste préciser que le dernier lieu du parlement, parce qu'il y avait des parlements par région, le dernier lieu c'était en Asie à Dubaï, vous devez faire le tour des continents et finir à Dubaï. Parce qu'il y a des parlements par région et donc ça finissait à Dubaï. Encore une fois, c'est vrai qu'effectivement il y a ces notions. C'est la raison pour laquelle je dis attention à la manipulation. D'accord ? Je parle de manipulation. La manipulation de qui ? Bah, je parle de manipulation parce qu'effectivement, lorsque vous avez l'impression que quand vous voyez qu'il y a un groupe financier qui va vous parler de monnaie, qu'on met en gros la photo du président Macron, la photo de Steve Jobs, etc., ça donne l'impression d'un projet sérieux, d'un projet mondialiste. Et quelque part, il y a des personnes qui peuvent en avoir peur, peuvent se dire bah, « Tiens, c'est le gouvernement français qui est derrière ce projet, donc peut-être qu'il y a un intérêt alors qu'il n'en est rien ». C'est une imposture, c'est une manipulation et c'est quelque chose que nous devons bien évidemment dénoncer. Et c'est la raison, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je dis parce qu'il y a manipulation, dès lors que l'Union africaine est manipulée dans le cadre de cette affaire, je ne vois pas pourquoi le président français et d'autres ne le seraient pas non plus. Toutes ces personnes citées, peut-être toutes ces personnes devraient alors dire, dénoncer cette manipulation. C'est la raison pour laquelle, vous savez, madame. Non, mais attendez, vous savez, vous avez dit tout à l'heure, l'Union africaine, vous avez rencontré le vice-président de l'Union africaine. Oui. Quelle a été sa réaction? C'est de dire, bon, écoutez, c'est une petite… D'abord, ils ne sont pas au courant en général, d'accord? Et d'autre part, si les différents chefs d'État ou les différentes personnalités se mettent à commenter, à répondre à toutes les petites saletés que l'on dit d'elle ou que l'on fait circuler sur les réseaux sociaux, on ne s'en sort pas. Donc, encore une fois, attention à la manipulation et restons focus et concentrés sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'avenir, c'est la construction du panafricanisme de demain, c'est de voir en sorte comment les afrodescendants, dans leur globalité, peuvent bien évidemment
contribuer au développement de l'Afrique de demain. C'est alors, ça. Rastot est occupé à discuter, donc on va poursuivre parce que on va poursuivre effectivement avec nos artistes, puisque je pensais qu'on aurait une coupure. À moins qu'il y ait une question, Ingrid, tu as suivi un peu là. Alors, Ingrid, qu'on ne présente plus non plus, puisque ma sœur vient régulièrement me donner un coup de main quand elle est de passage à Paris. De ton regard comme ça, de lointain de la Guyane, quand tu as entendu parler de cet état de la diaspora. J'ai été très surprise. Et puis, moi, je ne sais pas si j'ai compris que c'était un état de la diaspora africaine et des afro-descendants. Mmh. Alors, venant de la Guyane, frontalière, la plus grande frontière française est avec le Brésil. Le Brésil est un des pays où il y a le plus grand nombre d'afro-descendants. Et sans compter tous les autres afro-descendants de l'Amérique du Sud, moi je parle du plateau des Guyanes, mais l'Amérique du Sud est grande. Moi j'ai du mal à saisir pourquoi si peu d'informations. Moi, j'ai compris, peut-être que j'ai mal compris, monsieur, que vous êtes un peu nuanceur, que vous nuancez un petit peu la situation. Non, moi, j'ai clairement dit que c'était une imposture, oui. D'accord ? Et j'ai été le 24 octobre pour le dire devant tout le monde, mm-hmm. D'accord ? Mais je dis encore une fois que par rapport aux informations que j'ai, d'accord ? Et par rapport à la situation que je connais en réalité, d'accord ? Je vous dis attention à ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Parce que le piège de la manipulation, c'est de mettre en avant des grands noms, des grandes personnalités, des grandes institutions, de faire croire qu'on est dans quelque chose de global ou de généraliste, même si il y a effectivement quelques personnalités, quelques personnes ou quelques institutions qui soutiennent en coulisses le projet. Mais attention à ne pas tout mélanger, attention à ne pas mettre tout le monde dans le même sac et attention surtout à ne pas tomber encore une fois dans le piège de la manipulation. Non, attendez. Voilà. En fait, ma question, c'était juste savoir pourquoi la population, je finis vite, pourquoi on était si peu au courant, pourquoi si peu d'informations. Là, je tombe des nues, j'entends Wycliffe Jean, j'entends des noms. Pourquoi étions-nous si peu au courant? Alors, bon, je suis une personne lambda qui m'informe de manière relative, peut-être pas assez visiblement, mais pourquoi étions-nous si peu au courant? Voilà. Non, mais la question, c'est que d'abord, la communication a été faite au niveau de l'Afrique. Ouais. On n'a pas eu de communication en France. Il fallait lire les journaux africains pour avoir cette communication. En tout cas, en juillet 2018, c'est ça. Il n'y a pas eu un journal français qui a relayé. Et en fait, la seule information qu'on a pu avoir, c'est sur France 24. France 24, c'est récemment. C'est fait. Donc, tout ça, on est devant le fait accompli. Et TV5. Je voudrais juste revenir sur le fait il ne faut pas se laisser manipuler, etc. Je considère que lorsqu'on admet qu'il y a usurpation, mensonge, les personnes de peu ou de près, loin, etc., qui sont autour, même si on instrumentalise quelques, on voit bien que bon, Steve Jobs, il ne doit pas avoir été rencontré, Monsieur Louis Georgetin, pas plus que Malcolm X, pas plus que tous nos frères qui sont appelés et qui sont morts. On est bien d'accord, hein, on n'est pas stupide quand même à ce point-là. Mais en revanche, il instrumentalise ces personnes-là. Et ça, il instrumentalise l'Union africaine, il instrumentalise le panafricanisme en tant que mouvement politique émancipateur d'articulation entre la diaspora et le continent africain tel que pensé par Du Bois ou aussi Garvey. Il l'instrumentalise. Et ce n'était pas à l'époque, ce n'était absolument pas un panafricanisme qui était teinté de libéralisme ou de capitalisme. Au contraire, c'était fait pour se séparer de ce système capitaliste qui a mis en esclavage les ancêtres de nos parents que nous sommes là tous. D'accord ? Donc, puisque le capitalisme a été créé sur la mise en esclavage de nos ancêtres et la traite transatlantique négrière. Le panafricanisme s'inscrit contre cela.
puisque dans ses revendications, dans les 7 points qu'il demande, il y a la fin de la pauvreté, il y a la fin du racisme et il y a les réparations. Donc, on est bien, quelque part, quand on s'inscrit dans le panafricanisme, on est là-dedans. On n'est pas dans un, dans un panafricanisme tel que M. Macron l'a présenté dans ce qu'il a écrit sur l'Afrique, Africa 2020, où il parle d'un panafricanisme libéral, point à la ligne. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur de dire exactement les choses. Si M. Tin a instrumentaliser les gens et qu'ils se soient laissés instrumentaliser, parce que je pense que quand même certaines personnes effectivement ne savaient pas, mais on va pas revenir là-dedans sans 7 ans. Mais si monsieur Louis-Georges Tin a instrumentalisé des personnes, bon, tant pis pour ces personnes, elles se sont laissées avoir. Il a quand même demandé à des personnes qui pouvaient se laisser instrumentaliser, donc il est assez malin pour ça. Si il a aussi demandé à d'autres gens qui ne se sont pas laissés instrumentaliser, c'est qu'il porte bien quelque part une espérance, il remplit bien un vide pour tous ces gens-là. Et ça, c'est une question aussi. C'est une question qui nous est posée en tant que diaspora et en tant que continent africain. Pourquoi la diaspora, qu'elle soit africaine ou afrodescendante, est laissée dans un tel vide, dans un tel espace de vide et d'incertitude, où tout compte fait, lorsqu'une personne vient avec un projet qui est porté par X, Y, etc., tout d'un coup, ça devient quelque chose d'à peu près possible. Et pourquoi est-ce que un groupe comme Graléo, tout compte fait, parce que je pense pas qu'il ait mis Graléo comme oui, mais ça. On leur fait de la pub. Non, mais d'accord, mais peu importe. C'est un petit groupe, c'est une mais petite peu structure. Importe, ça, peu oui, importe, c'est... l'objectif, quand on le lit, c'est quand même bien de mettre la main sur les finances des Africains. C'est pas de l'Afrique, c'est sur les finances des Africains. Là-dessus, on est d'accord. Donc on est d'accord. C'est un projet pour lequel on doit absolument s'élever contre. Et M. Macron, avec Africa 2020, c'est aussi ce qu'il veut faire. Donc, écoutez, soyons réalistes. Si on s'inscrit effectivement sur un côté du panafricanisme politique tel qu'il était porté, même s'il évolue parce que le monde change, eh bien, il y a des choses que l'on ne peut pas admettre. Monsieur Louis-Georges Tin nous met dans une situation où on est obligé de dénoncer cette instrumentalisation, cette mainmise, et c'est un véritable coup d'État et c'est un acte parfaitement colonial. C'est pour ça, quand on voit effectivement, et ça s'inscrit dans quelque chose qui doit nous préoccuper si on est concerné par le continent africain, c'est qu'aujourd'hui, les frontières imposées lors de la conférence de Berlin sont en train d'être rediscutées entre la Chine, la Russie, les États-Unis et la France, qui essaye de tirer son épingle du jeu, enfin qui essaye de garder son pré carré. Oui. Donc soyons réalistes aussi. On ne peut pas parler de ce projet de la diaspora, enfin de l'état de la diaspora, sans parler du contexte dans lequel il s'inscrit aujourd'hui. Ça, alors, j'ai pas dit le contraire, effectivement. Ouais. Je tiens juste à repréciser les choses encore une fois. J'ai pas dit le contraire. Seulement, encore une fois, ne tombons pas dans le piège de la manipulation. Et ce monsieur Louis-Georges Tin ne lui donnons pas autant d'importance. Voilà, ne lui donnons pas autant d'importance, tout comme les petites structures qui ont été créées à cet effet. Les médias qui en parlent, je peux vous dire que rares sont les médias africains qui ont communiqué dessus. Les médias qui en parlent depuis l'année dernière, nous les connaissons, d'accord ? Ce sont des médias qui ont été montés eux-mêmes par les personnes qui gravitent autour du projet. Et ils sont clairement identifiés. Ils ont des noms africains, mais en réalité, ce sont des médias qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Donc là aussi, entendons-nous bien, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ne tombons pas dans le piège de la manipulation et ne mélangeons pas tous les sujets. Oui, c'est une dernière question. Je vais rebondir sur la question que posait Ingrid. Oui, parce que moi, en tant que donc afro-descendant, mais antillais, dans ce projet, je reviens de Guadeloupe, je n'ai jamais entendu parler de la 6e région. Alors que nous, artistiquement, on essaye de faire des... Absolument. Je l'ai à Ouida, absolument. On essaye de... Mais que dans la vie civile, en fait, au niveau des êtres humains que nous sommes, les choses ne se font pas forcément comme ça. Évidente, hein, c'est pas évident. Alors, comment on peut être plus informé, déjà, de ça, pour avoir au moins les armes, les outils pour réagir? Moi, je cours et je suis consterné. Alors, on fait une courte pause musicale, mais Mireille, tu vas pouvoir continuer à expliquer. On fait une courte pause musicale et on revient aux invités. Yeah.
Maman, je pense à toi, je t'écris. Une trois étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places? Mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chapelle. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de feu vont tourner autour des casseroles. Un soleil au bout de ma vie. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Du dimanche au dimanche aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout n'aie pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, la discussion se poursuit et la discussion est vive ici sur le plateau de Dubout ce soir sur l'état de la diaspora africaine. Et, oui. Et nous poursuivons donc notre discussion quand même avec les artistes qui sont là et nous sommes ravis de recevoir donc Edgar Sokloka qui nous rejoint. Bonsoir Edgar, ravi de te recevoir. Oui, tu peux prendre le micro sans bonsoir, souci. Bonsoir. Alors Edgar, je te présente Hubert, je te présente Amy, je te présente Dreyfus, bonsoir. Mireille et je te présente Ingrid. Hubert, alors on va faire des interviews croisées entre les différents artistes parce que je trouve qu'il y a des choses comme ça qui ressemblent, le travail des uns et des autres se croise, s'entrecroise et se ressemble quand même assez, notamment le travail Hubert est chorégraphe. Donc le travail d'Hubert en tant que chorégraphe, qui est là, donc comme je le disais, qui est là parce qu'il va présenter un spectacle le 7 novembre au conservatoire du 13e à Paris, je vais y arriver. Et donc ce spectacle s'appelle Au bout du souffle. Et Edgar est là parce qu'il va nous parler de son album, donc son dernier album qui s'intitule Musique noire.
Et le 4 novembre, donc, tu seras sur scène. Alors, est-ce que tu seras sur scène pour présenter cet album ou est-ce que tu seras sur scène pour un spectacle autre que Musique Noire? Non, ce sera pour Musique Noire. Je présenterai quelques morceaux et un clip en avant-première qui s'appelle Vertement et qui parle des migrants. Absolument. Donc, on va revenir justement sur ces différents, sur les 8 titres de cet album. Edgar, tu es chanteur, tu es poète, tu es écrivain. Donc, cet album Musique Noire, tu viens nous le présenter. Tu es bien connu de certains cercles musicaux. Notamment parce que tu as fait partie d'un groupe qui a eu son succès, enfin qui a eu un petit succès à une époque, Milk, Coffee and Sugar, et notamment parce que au sein du groupe, il y a une personnalité importante maintenant. Enfin, vous êtes tous devenus des personnalités importantes, mais effectivement, il y avait tu étais comme autre membre, il y avait Gaël Faye, donc qui est l'auteur du Petit Pays. Prix Goncourt des lycéens 2016. Est-ce que ça te saoule qu'on te rappelle ça, qu'on te rappelle cette collaboration? Plutôt enchanté. C'est grâce à Gaëlle et Touria, qui était aussi notre manageuse, que j'ai pu trouver ma voie artistique. Donc non, je suis plutôt honoré. Alors, j'ai essayé là pour préparer cette émission de chercher des interviews, de trouver un peu ce que tu penses, ce que tu as dans la tête, ce que tu dis. C'est compliqué quand même. Tu es très, très, très caché. On résume ta pensée, on résume tes écrits, on résume ce que tu es, mais on ne t'entend pas dire, on ne retranscrit pas ce que tu dis. C'est voulu ? Non, je pense honnêtement que c'est parce que je fais quelque chose qui n'est pas... je fais un rap ou un slam ou je ne sais pas comment ils veulent l'étiqueter, qui n'est pas forcément... Ils l'enferment dans l'étiquette Intello. Et donc, du coup... les médias ont un petit peu peur de venir vers moi, mais quand ils viennent au concert, en général, ils sont contents. Alors, effectivement, tu es auteur toi aussi de romans, de poèmes. Tu es slammeur, rappeur, musicien de hip-hop, tu viens de le dire. La musique et l'écriture, pour toi, c'est quelque chose qui sont liés, qui sont partis, qui sont partis. L'écriture, liés. C'est la première des choses. Après, la mélodie, forcément, mais c'est l'écriture qui m'a mis au monde, même au niveau scolaire, au niveau intellectuel. Ça m'a sorti de plein de gouffres et ça m'a permis de me réaliser. Donc, c'est l'écriture qui m'a amené à la musique. Tu as beaucoup travaillé avec les jeunes aussi, beaucoup dans les lycées. Alors, tout à l'heure, justement, Mireille me demandait, elle voulait faire quelque chose autour de la musique, du verbe, du mot engagé. Ben voilà, tu as quelqu'un là. Je continue. Tu continues encore. Ouais, les ateliers, c'est une source de... Ben, c'est ce qui fait que je ne suis pas complètement... détaché de ce que les jeunes vivent, ou en tout cas écoutent, parce que les précepteurs aujourd'hui, c'est pas forcément leurs profs, mais ça va être les chanteurs, les chanteuses. Ouais. Donc voilà, je suis pas en décalage, par contre je dis ce que je pense de ce qu'ils écoutent, voilà. Alors, je disais tout à l'heure qu'effectivement, il y avait un regard croisé à faire entre votre travail à Uber, Petit Phare et toi. C'est qu'effectivement, donc, toi, pour Musique Noire, ton album, effectivement, lorsqu'on lit ton dossier de presse, on entend comme ça beaucoup de musique et d'auteurs africains-américains. Alors, Amiri Baraka, Alice Walker, Les Last Poets, c'est quand même pas rien. Pour ceux qui connaissent un peu, comment dire ça ? Est-ce que ces références nourrissent ton travail ? C'est important pour toi de les porter comme ça à la connaissance du public français qui les connaît moins ? Non, je fais pas ça pour les porter à leur connaissance, mais en fait, ils m'habitent. Donc, c'est des gens, ça a été mes précepteurs, ce sont toujours mes précepteurs. Ouais. Voilà, Guy Scott-Heron, mais j'aime bien aussi Yacine Bey, enfin anciennement Mos Def. Il y a plein d'artistes comme ça. Mais là, j'écoute en ce moment un pianiste qui s'appelle Oscar Schuster. Fait, moi, je me laisse porter par mes goûts du moment, pas forcément par des auteurs précis. Donc, voilà, c'est mes goûts du moment. Mais les Last Poets, voilà, ils m'ont habité, ça fait 10-15 ans, à l'époque du groupe aussi. Ouais. Je les ai découverts avec notre collectif de slam qui s'appelle Chandank, qui était très afrocentré. On était pas mal dans l'afrocentrisme. Et on a évolué depuis, sans dire qu'on n'a plus d'afrocentrisme, mais on est plus peut-être précis. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je les cite. C'est parce qu'ils m'habitent. Je n'ai pas fait volontairement.
toujours pour présenter ton album, donc on dit qu'il y a un parallèle que tu fais entre l'esclavage et l'aliénation moderne que l'on retrouve dans nos métiers, nos hobbies, nos habitudes, nos plaisirs, nos quotidiens. Dans le travail que présente, dans ce spectacle que présente Hubert Petitphare, Au bout de souffle, oui. Effectivement, pareil aussi, tu présentes ton travail comme un essai sur le comportement humain face à l'engagement total, et il est fait référence à Louis Delgrès et à Jean Moulin, et au combat pour la démocratie. C'est pour ça que je dis un peu comme ça votre travail à tous les deux. Comment est-ce que toi, en tant que chorégraphe, Hubert, comment est-ce que tu soumets les corps? Comment est-ce que les corps se soumettent à cette urgence? Alors, que tu demandes, que tu expliques par des mots ensuite. Je ne soumets pas les corps. On collabore avec les artistes. Oui. Et on parle, on questionne d'abord le sujet que l'on va traiter. De manière à ne pas... Il y a un sujet et ensuite vous parlez de ce sujet, voilà. Sur comment est-ce que vous allez le travailler. L'aborder. Oui. Et puis moi, j'ai mon idée, puisque comme je suis à la tête du projet, que je chorégraphie, donc c'est vrai que je vais les inspirer avec mon écriture chorégraphique avant tout, mais j'ai besoin aussi de leur collaboration et parce que je ne suis pas un corps multiple, même si je veux exprimer une idée, mais... Je ne peux pas les cloner. Il faut qu'ils aient aussi leur résonance. Et j'ai voulu partager avec eux une thématique qui m'était chère. C'était à quel moment la nation Guadeloupe est-elle apparue? Absolument. Et pour nous, il nous semblait que ce moment à Matouba... Vivre, libre ou mourir. Voilà. C'était vraiment un des moments importants de... Non, vivre libre ou mourir, c'est Delgrès. C'est Delgrès. Oui, nous parlons de... Parce qu'il s'est fait exploser ses hommes. Ouais. Mais je voulais parler de Delgrès. Bien sûr, on parle toujours d'un homme. On parle aussi d'Ignace, de Maître et Solitude. Je mets ces personnages en situation dans la pièce. Mais c'est aussi pour rendre hommage à tous ceux qui sont derrière, par exemple, ces soldats qui sont morts. On ne sait pas qui ils sont, qui ils sont. Pourtant, ils ont de l'importance. Bien sûr. Et ils sont morts. Voilà. Donc, ils ont aussi défendu ça. Et c'est actuellement comment ça résonne pour notre jeunesse, parce que les danseurs sont assez jeunes. Et je voulais aussi répondre à un questionnement que j'avais, moi, à leur âge et même plus jeune, sur ma propre histoire. C'est-à-dire que j'ai appris l'histoire, je dirais générique, mais mon histoire, je ne la connaissais pas. Donc, j'ai pas eu de rôle, des référents sur lesquels m'appuyer en me disant waouh, c'est. Voilà. Ouais. Donc, je trouvais que c'était important aussi d'en reparler. Comme je collabore aussi pas mal avec la jeunesse, ils s'interrogent après, ils me demandent mais c'est qui, c'est quoi, c'est quand. Bien sûr. Voilà, ça ensuit une discussion plus profonde et autre. Alors là aussi, effectivement, lorsqu'on lit aussi ton parcours, là aussi, il est jalonné aussi de noms connus, notamment des danseurs, notamment Elvin Ailey, Catherine Deram, Maurice Béjart, de près ou de loin. Par des personnes interposées, tu les as plus ou moins côtoyées. Non, de près. De près, et donc c'est vrai. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, effectivement, Catherine Deram, c'est une des premières grandes danseuses afro-américaines qui a lancé une compagnie de danse. Pareil pour Elvin Ailey, qui est l'un des plus célèbres danseurs afro-américains, enfin africains-américains. Maurice Béjart, on connaît parce que moi, je connais le boléro. C'est Maurice. Oui, c'est ça, oui. On connaît le boléro, le film Les uns les autres, tout ça, donc on connaît. Donc ces personnes-là aussi, donc jalonnent aussi ton parcours et comment est-ce que tu le restitues toi dans le travail que tu fais aujourd'hui avec les jeunes ou dans les spectacles que tu montes. Est-ce qu'il y a quelque chose à restituer? Parce que c'est vrai qu'en plus, ce sont des danseurs totalement différents. L'un est très athlétique, Elvin Ailey, c'était beaucoup... Donc, c'est très différent quand même. Je n'ai pas fait un cycle, je n'ai pas terminé, j'espère. Non, oui. Mais c'est vrai que je me suis aperçu qu'on pouvait arriver à une expression dansée,
qui n'étaient pas nécessairement obligés de passer par le prisme d'une danse académique ou d'un travail vraiment structuré, comme on l'entend à l'occidental, c'est-à-dire, parce que moi j'ai été chez Béjart, donc j'ai fait la danse classique, la danse moderne, après je suis passé vers le jazz, mais je me suis aperçu après que tout ça c'était pour un peu me justifier. Moi, le petit noir, voilà, dans ce milieu, sans vous parler des préjugés que j'ai eus, mais bon, c'était aussi une force et une lutte qui m'ont porté, mais c'était aussi un peu ça. Et maintenant, j'en arrive à me dire que non, l'important, c'est vraiment la vérité, la sincérité de son propos qui est importante. Parce que, quelle que soit la forme, finalement, qui ressort, ça ne traduit pas forcément le fond. Et ce qui est important, c'est d'avoir des fondamentaux qui sont solides et de savoir de quoi l'on veut parler. Et n'importe quel geste, s'il est exécuté avec une vérité, il sera intéressant, même s'il n'est pas travaillé pendant 10 ans. Mais s'il est, au moment où il sort, il est sincère, ça peut toucher. Alors que quelque chose qui est très formel peut être bon. Alors, au bout du souffle, et donc un spectacle que tu présentes le 7 novembre au centre, au conservatoire du 13e. C'est une soirée Paris. Partagée avec un ami chorégraphe qui s'appelle Jean-Claude Marignal, qui lui travaille plus le hip-hop, pas que, mais là c'est une pièce hip-hop avec les Original Magic Step, mais hip-hop et jazz-rock. Alors, est-ce que c'est une pièce retravaillée pour le mois créole, parce que le mois créole, effectivement, donc, qui se tient depuis le 9 octobre et qui se termine le 9 novembre, est-ce que c'est une pièce que tu as recréée spécialement pour le mois créole, ou c'est une pièce que tu as déjà expérimentée un peu partout sur des planches un peu et que tu viens présenter là au public? Alors, c'est parisien. Suite à la diffusion au Festival of d'Avignon que nous avons. Cette année, j'ai eu cette invitation de Chantal Loyal, cette année à la Chapelle du Verbe Incarné. Oui. Mais on a déjà tourné la pièce plusieurs fois. Et là, on nous a demandé une durée précise. Donc, ce ne sera pas la 55 pièce. 55 minutes. Non, 40 minutes. 40 minutes. Donc, voilà, elle sera un peu plus courte. Parce que c'est une soirée partagée, donc il faut aussi. Mais ça va. Ça va. Bon. Ça fait partie des enjeux. Edgar, pareil aussi, c'est vrai que musique noire, j'ai cru comprendre, j'ai cru voir que tu l'avais déjà un peu expérimenté, non? Ou bien c'est la première fois que tu vas le... Non, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de résidences, j'étais beaucoup accompagné, j'étais associé d'une salle qui s'appelle le Tamanoir. Grâce à cette salle à laquelle j'ai été associé, j'ai pu être lauréat du prix des musiques d'ici l'année dernière dans le cadre du festival Ville des musiques du monde. Du coup, j'ai eu des résidences à la batterie à Guyancourt, donc forcément au Tamanoir de Gennevilliers et au théâtre, au T2G aussi. Donc, c'était une belle scène. Donc voilà, j'ai eu des résidences qui m'ont permis de travailler, d'affiner le propos. Je l'ai présenté devant les jeunes que j'avais en atelier aussi. J'ai eu une metteuse en scène qui s'appelle Sarah Maton de compagnie de Lidl. Metteur en scène pour toi. Parce que, c'est ça. Metteur en scène avec, avec Delphine Kamal. Oui. Metteur en scène et metteuse en scène. Oui, je prends les deux, mais c'est parce que Sarah, elle dit metteuse, donc du coup, elle dit metteuse. Ouais. Mais elle est, avec la compagnie d'Île de la Tortue, pardon. Non, je ne sais pas. Formaliser la tortue. Oui, moi non plus, c'est pareil. Et donc, du coup, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance, d'être bien accompagné sur ce projet. Donc, on en est assez fiers. Alors, c'est vrai que on va écouter ce que donne Musique Noire, on va écouter un extrait. Mais avant, quand même, ce qui m'a interpellé, c'est qu'en plus donc, de la musique, tu fais aussi des ciné-concerts. Tu as fait des ciné-concerts, notamment autour du cinéma de Chaplin. Oui. Et tu appelles ça les chapinesques. Voilà, c'était. Qu'est-ce que ça donne? C'était que ça les ciné-jams. Les... Ouais. Et on a sorti un EP autour des œuvres qu'on a faites lors de ces ciné-concerts. Ouais. L'EP s'est appelé Chaplinesque. Ouais. Et donc, on a travaillé, en fait, j'ai eu la chance de bosser avec les cinémas MK2. Ouais.
Ça donne quoi ? On projette un court métrage de Chaplin. Ouais. Voilà. Ouais. Exactement. Et plutôt que le pianiste, c'est toi qui joues. C'est moi qui joue avec deux musiciens. Ça dépend, mais parfois c'est deux musiciens, un percussionniste, un guitariste, ouais. Et moi à la voix. Et par contre, on colle pas forcément à ce qui se passe à l'image. Donc c'est un peu difficile pour le spectateur qui hésite entre soi, me suivre ou regarder le film. Voilà. Mais c'était ça qui était intéressant pour nous. Et tu as eu de bons retours là-dessus ? On a eu des très bons retours, mais on n'a pas fait des bons chiffres pour en parler. Chiffres, parce que c'était jeudi, c'était quand même. Mais c'est très élitiste aussi. Chaplin. Oui, bien sûr. Chaplin plus la musique un peu. Enfin, je veux dire... Non, c'est vrai que c'était pas évident. Mais je pense que le jour. Enfin, c'est mon point de vue. Hein, c'est mon retour, je ne sais pas si mes amis d'MK de dire la même chose, mais le jour, le coup. Et j'ai aussi loupé la première, j'avais plus de voix à la première, donc ils ont dû rembourser. Enfin, ils ont été très, très gentils, mais du coup, l'opération économique a été un peu compliquée. mais ce qui m'a marqué, moi, c'est que les gens qui écoutent du hip-hop, tu leur dis, tu vas faire un ciné-concert, ils sont contents. Quand tu leur dis Chaplin, ils hésitent. Et à l'inverse, les gens qui sont fans de Chaplin, tu leur dis, tu vas faire un ciné-concert, Chaplin, c'est super. Mais ça va être du rap, du hip-hop, Voilà. Donc c'était compliqué de fédérer ces deux types de personnes, de groupes. Ouais. Ouais. Alors Ingrid, je parle en tant qu'enseignante, mais le public qui peut être fédérateur justement, c'est le public scolaire parce que friands de burlesque. Moi, enfin bon, après ils sont plus petits hein, les miens. Enfin, ils sont en primaire et ils étaient toujours très très demandeurs du cinéma burlesque de Chaplin. Donc associé en plus, j'ai fait des ateliers de slam avec une artiste de la Guyane. Et et donc du coup je trouve que c'est une superbe initiative en tout cas dans les milieux scolaires. L'invitation pour la Guyane est lancée là, je crois. Oui, non, mais avec plaisir. Il y a un bruit qui se fait. Alors, musique noire, on écoute à quoi ça ressemble. Musique noire, musique souterraine, musique sincérité. Au départ raconte une histoire, une condition, une société. Musique noire, musique du maquis, musique de l'ombre. Musique mal polie, musique sauvage, mais musique du nombre. Musique noire. Musique noire. Bouillon que les formelles, mon commandeur, non, a d'un clic à dorier. Faut un ballon, on va côté. Alléluia, dit comment.